and I can't run back. Yo, what's going on? What's going on, people? It's the boy Wonder IMJ. What's up everyone? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon petit haul que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis allé à Ikea Franconville, et comme c'était les soldes, j'en ai profité pour voir le lit que je vais avoir pour dans ma nouvelle chambre, parce que je vais refaire le décor. Hey, alors quand je suis allé à Ikea, j'ai trouvé cette petite théière. Donc elle a rien de spécial, c'est juste qu'elle est petite. La notice, elle est en vert, et je trouve ce cutia une petite passoire pour mettre les sachets de thé ou de tisane. Après on verse l'eau chaude directement dedans, et je l'ai trouvé. Il y avait une grande et une petite, mais comme je suis seul, du coup j'ai pris une petite. Ça, évidemment, c'était pas en solde, mais je l'ai acheté quand même. Après, j'ai acheté deux bougies. Donc, je vous dis pas le nom parce que tout sera en barre d'infos. Donc, je vous dis pas le nom parce que c'est les noms d'IKEA, quoi. Donc, il y en a un au fruit rouge qui est très parfumé. Il y en a un autre qui a la crème un peu. Saveur crème, glace, nature. Glace yaourt, ça sent très bon. Donc il coûtait, une elle était à 70 centimes la bougie. C'est une bougie qui dure 20 heures. Tout comme ils étaient pas chers, j'en ai pris que deux. Donc ensuite j'ai acheté des comment ça s'appelle, ça. Donc ceci qui sont des petites bouteilles de voyage. Quand par exemple on part en vacances, on met le gel douche, le shampoing, l'après-shampoing et la crème dans des petites boîtes, et c'était vraiment pas cher, je vous dirai en barre d'infos. Donc ensuite on a acheté des sacs de congélation, vraiment pas cher. Et ils sont vraiment bien ces Ikea parce que tu peux les réutiliser. Vous verrez, au pire vous allez sur le site ou quand vous allez à Ikea, vous allez voir, on peut les récupérer, enfin ils sont réutilisables. Moi je sais que je les réutilise parce que le plastique il est vraiment épais, ça change vraiment du premier prix. Ensuite donc j'ai acheté Plumas, c'est un sac pour mettre le linge sale. Donc je vais vous le montrer, il est comme ceci. Il est avec des motifs un peu géométriques, donc j'aime bien. Ça va aller avec, ça sera dans le thème de ma future chambre. Donc vous voyez là, le décor c'est pas si top. Et les poignées sont en simili cuir, donc j'aime bien, ça fait un petit style. Et comme en fait c'est rigide, il n'y a rien, mais ça tient. Du coup j'ai trouvé ça pratique, simple, je l'ai acheté. Ensuite à Ikea, donc Ikea là où il y a rayon plante on va dire, j'ai acheté cette plante-ci. Alors vous allez voir, par dessus les feuilles elles sont vertes, à l'intérieur elles sont violettes. Donc j'ai trouvé ça folle. En plus j'aime bien les plantes, mais j'en ai pas, je sais pas pourquoi. Du coup là j'en ai acheté une, enfin j'en ai acheté deux, je vais vous montrer. Ensuite, voilà, il a acheté de l'aloe vera. Alors l'aloe vera, c'est très bien pour les masques et tout, parce que c'est un antioxydant, anti-vieillesse, en gros, un antioxydant. Donc, je l'ai pris, elle est encore petite. Je vais l'arroser très peu parce que c'est une plante grasse. Et quand elle sera vraiment bien grande, je vais prendre des tiges. Avec les tiges, tu peux faire des masques. Donc, on va essayer ça. Et donc, j'ai payé 3 euros. Vraiment pas cher. Alors, comme je suis parti au Ikea de Franconville, à côté, il y a quelques marques. Donc, c'est un centre commercial. Et j'ai trouvé ceci, un pull Nike. J'espère qu'il a les manches bleu, blanc, rouge. En fait, c'est parce qu'il y avait les manches bleu, blanc, rouge. J'ai trouvé ça un peu cool. Et comme il taille légèrement grand, je l'ai pris en solde. Et du coup, je l'aime bien. Alors, de base, il était à 60. De base, il était à 65 euros. Mais comme il était moins, je sais pas combien de pourcents, je l'ai eu à
26 euros. Donc ça va aller. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en bas et aussi dans la barre d'infos. À suivre celle de ma youtubeuse préférée, Andrea, qui va être par là, je pense. Et allez voir, liker toutes ces vidéos et tout, parce que je trouve qu'ils sont des beaux petits make-up. Donc voilà, allez la suivre et tout. Et si cette vidéo vous aura plu, lâche un pouce bleu, un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Et au revoir.